vous ai demandé de faire une petite liste de choses que vous aviez envie de sauver en ce moment, vous diriez quoi, Nicolas Bouchaud ? Espace public. Julie Duclos. Sauver la planète. Marie Modiano. Moi, je dirais en premier sauver des vies et sauver l'amitié. Peter Van Paul. Peut-être sauver la bonne humeur. Nicolas Bouchaud, elle vient d'où cette expression « sauver le moment » ? Elle vient d'un article de Serge Danet, paru dans Libération en 88, je crois. Un article sur John Ford qui s'appelle « John Ford Forever ». Et il dit que dans un film de John Ford, il faut avoir l'œil très vif, sinon on risque de rater cette image où pendant quelques secondes, il y a quelques secondes de contemplation pure. Voilà. Et il dit que Ford filme si vite qu'il fait deux films à la fois, un pour conjurer le temps en étirant indéfiniment les récits, et un autre pour sauver le moment, celui du paysage, deux secondes avant l'action. On va essayer de sauver ce moment, un moment passé ensemble, puisqu'on est tous ensemble sur la scène d'un théâtre à l'Espace Cardin, au Théâtre de la Ville. Il est 20h01 sur France Culture et il faut sauver le moment. C'est le titre du livre du comédien Nicolas Bouchaud. Sauver le moment, sauver le présent, si menacé en ce moment. Sauver, c'est-à-dire raconter, dire, chercher les mots, quitte à ne pas les trouver. Mais ne pas les abandonner, les mots. Sauver le moment, alors, ce serait peut-être ça, sauver les mots, en inventer des nouveaux et rester vivant. Nicolas Bouchaud cherche des réponses aux questions « Que se passe-t-il quand on est sur une scène ?»« Quand un grand désir vous y mène ?» Il cherche à écrire sa pratique d'acteur, écrire des moments de vie, des moments de corps, écrire le jeu, ce que c'est à l'intérieur. Et on est touché par l'intimité et la profondeur de sa recherche. Il parle d'un théâtre se laissant visiter par le monde. Il cite Georges Didier Huberman : « La culture n'est pas la cerise sur le gâteau de l'histoire, c'est encore et toujours un lieu de conflit où l'histoire même prend forme et visibilité. » Julie Duclos, elle aussi, est en recherche, en ce moment autour de l'écriture de Lars Noren, avec la pièce « Kliniken ». Dans un hôpital psychiatrique, un huis clos dans lequel le monde extérieur perce sans cesse. Dans ce théâtre-là, on sauve les êtres et leurs paroles, marginalisées ou oubliées. On terminera l'émission par une pensée très forte à l'intellectuel Lokman Slim, assassiné au Liban cette semaine, qui travaillait à la mémoire, aux récits qui manquent, à leur mise en forme, qui posait des mots forts sur le présent. Nicolas Bouchaud cite dans son livre « La charte des missions de service public pour le spectacle vivant », nous sommes en octobre 1998, « La recherche en art, dont l'importance pour la société est aussi grande que la recherche scientifique, qu'elle côtoie et croise souvent, est une nécessité absolue ».Ce qui m'intéresse, et c'est peut-être ça pour moi le cinéma, et ça l'a été pour beaucoup de gens, c'est l'enregistrement audiovisuel du monde, en tant que le monde c'est pas nous, que le monde c'est aussi de l'autre, et que cet enregistrement-là transmette des
des bouts d'expériences partageables. Donc il y a bien l'idée du partage, et donc il y a bien l'idée d'une famille capable de partager ça. On a été porté un moment par quelque chose qui n'était pas politique, mais qui était comme de la politique. C'est-à-dire qu'il y avait une internationale de la cinéphilie. Évidemment, la cinéphilie, ou ma cinéphilie, celle de gens comme moi, c'est une tradition orale. C'est comme l'Afrique. Le jour où il n'y aura plus un vieux griot pour raconter la légende de Erich von Stroheim, brisée par Thalberg, la légende de Godard marchant sur les mains pour calmer Bardot, la légende du train en gare de la Ciotat, la légende d'Eisenstein. Bon, là, je prends des légendes d'auteurs, mais pour d'autres, c'est des légendes d'acteurs. Hein. Chacun a les siennes. Je veux dire que tant qu'il n'y a personne pour les raconter, donc aussi pour les délirer, pour les exagérer, pour les... tant qu'il y a des gens, bon, bah, ça renvoie à l'expérience du film, en tant que le film n'existe que sur pellicule et avec l'émotion d'une projection. En fait, c'est la projection, l'essence du cinéma. Nicolas Bouchaud, j'aimais bien ces mots de Serge Danet pour commencer et pour parler de tradition orale, de transmission, de disparition. Je me demandais à quel moment vous avez pensé justement à l'importance de la transmission. Et puis vous ouvrez le livre avec une citation de Jouvet qui parle de l'amitié. Donc on pense aussi à l'importance de la rencontre, du commun et de l'oralité, même si là c'est la recherche de l'écriture ensuite. Quand on entend Serge Danet, là, ce qui est très beau et ce qui m'a beaucoup apporté, même pour le jeu d'acteur, c'est cette histoire de l'oralité dont il parle. C'est-à-dire que concrètement, en fait, ce dont il parle, Danet, là, c'est qu'il est passé la journée à la cinémathèque et que le soir, quand la cinémathèque est fermée, après avoir vu, je sais pas, 10 films, il part à pied dans Paris et il parle avec ses copains des films qu'ils ont vus. Il parle sur le film. À partir d'une fiction, il recrée une fiction. Et il y a une anecdote très belle et très drôle qu'il raconte souvent Danet. Il dit qu'avec son ami Jean-Claude Biette, ils ont parlé pendant des années d'un film qu'ils adorent, de Fritz Lang, qui est Le Tombeau hindou. Et il parlait d'une scène très précise et d'un dialogue très précis, comme s'ils s'en souvenaient vraiment. Jusqu'au jour où ils ont revu le film ensemble et où cette scène n'existe pas dans le film. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit... Chose aussi très concrète, finalement, quand on apprend un texte par cœur, qu'est-ce qu'on fait pour mémoriser ? Ça, j'ai senti beaucoup avec Thomas Bernard, l'écriture de Thomas Bernard, par exemple, qui est très complexe, parce qu'il y a toujours une chose et son contraire. Et ben, quand on mémorise, par exemple, il faut créer ses propres images pour faire revenir les phrases qu'on a apprises. Et donc, c'est comme si on réécrivait un livre sur le livre. Et donc, on fictionne toujours ce qu'on fait de la même façon que quand... Enfin, voilà, tous les écrivains, les peintres peignent et écrivent en dialogue avec d'autres peintres et d'autres écrivains, et c'est infini. Et donc cette histoire de l'oralité, ça m'a beaucoup touché pour ça, pour cette chose-là. Et là, ce processus pour écrire le livre, puisque ce sont des moments de vie d'acteurs que vous décrivez, comment ça a marché l'écriture pour vous ? Est-ce que justement c'est la convocation d'images et puis ensuite que vous avez essayé de formuler, d'écrire ou... Alors, j'avais pas tellement de présupposés au début. Je savais que je voulais pas faire un livre qui serait, par exemple, un discours sur le jeu d'acteur. Donc pour ça, je me suis donné des petites règles qui étaient les suivantes, c'est-à-dire de partir à chaque fois dans chaque récit, il y en a une quinzaine, je crois, c'est de partir d'une situation concrète, soit de répétition, soit de première avignonnaise cataclysmique, soit d'un voyage en train, de partir de situations concrètes et de voir comment, à l'intérieur de ça, je pouvais dire, essayer de dire quelque chose sur le travail d'acteur. Mais que cette chose-là vienne de l'intérieur du récit, de l'intérieur du texte. Voilà. Comme quelque chose qui pourrait nous faire signe et peut-être nous raconter quelque chose, mais sans présupposer au départ que l'art de l'acteur, c'est ci ou ça. Voilà. Et surtout, ce qui m'importait, c'était de décrire un processus et pas un résultat. Donc, je savais déjà que je n'allais pas donner mon avis sur,
Le Roi Lear ou La Vie de Galilée, ou voilà, mais que j'allais essayer de transmettre une sensation, et quand je pouvais, un peu plus qu'une sensation, quelque chose qui puisse donner à penser un peu, quoi. Et avant de rentrer dans ces récits et ces moments de vie d'acteur qui sont en effet très très beaux, là, c'est vraiment des sensations et ensuite que vous décrivez, et ensuite ça dit beaucoup sur le jeu d'acteur en effet. Qu'est-ce que vous diriez du tout début de l'amour du jeu? Quand vous avez une vingtaine d'années, vous vous décrivez en autodidacte, un peu en parallèle des écoles, avec votre cahier Clairefontaine, à noter des choses, des envies, des désirs. Mmh. Vos deux parents sont comédiens. Ouais. Quel rapport vous avez et avec le jeu et avec eux au tout début? Bah, je fais ça totalement clandestinement au début. J'en parle pas vraiment, quoi. Je continue mes études et puis je leur dis je me suis inscrit à un cours de théâtre et puis voilà. Puis personne ne me pose des questions, c'est très bien. Mais au début, moi, je me sentais mal dans les cours, en fait, de théâtre. J'étais mal parce que je crois que j'avais aussi des envies et des velléités, peut-être, de mettre en scène et tout ça. Et parfois, j'avais plein de copains et tout ça, c'est pas le problème, mais je me sentais mal, je me sentais à l'étroit, en fait. Et ce que je dis dans le premier texte, quand je parle de la rencontre avec Didier Georges Gabilly et du groupe Chang, donc ça veut dire une trentaine de personnes, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est le fait de dire que quand on fait du théâtre, on est relié à l'extérieur. Je me souviens que dans les cours, et je pense que c'est toujours un peu comme ça, on est complètement enfermé dans un truc, tout le monde passe ses scènes. Moi, je vais faire ci, Beckett, truc. Et puis, voilà. Et moi, ça m'effrayait un peu, en fait. C'est pour ça que j'ai dit dans le livre, vraiment, c'est vrai, à 20 ans, je ne savais pas très bien ce que je faisais en montant sur scène. Même si je savais, quand même, à cet âge-là, je commençais à savoir un peu ce que j'aimais en tant que spectateur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus... nourri finalement à un moment, pendant 2-3 ans, que les cours proprement dit. Julie Duclos, vous avez suivi des cours et été au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris, mais vous avez aussi un père qui est comédien. Oui. À quel endroit vous avez trouvé votre début de vie de comédienne, dans la transmission familiale ou à l'intérieur du cours? Oh bah les deux, la transmission s'est faite naturellement, puis mes parents avaient une école de théâtre aussi ensemble, qui menait ensemble, donc petite j'allais très naturellement à la place du centre aéré aussi bien suivre les cours, et je crois que ça a été ça les premières émotions de théâtre, ça a été de regarder un processus, justement le travail du refaire en fait, plus que de voir des spectacles en eux-mêmes. Et puis après, le conservatoire, c'est l'école, c'est les rencontres aussi hein, qu'on fait. Ça tient aux professeurs qu'on a. Donc, moi, j'ai rencontré Dominique Valadier et Alain Françon pendant 3 ans. Donc bon, moi, mon expérience du conservatoire, c'est celle-là. Et puis bien sûr, les bandes aussi qu'on se fabrique et les gens qu'on rencontre aussi, qui sont fondateurs après dans un parcours. Et c'est très beau, Nicolas Bouchot, ce que vous dites justement sur les bandes et les troupes dans le livre. Vous parliez de Didier Georges Gabilly et de cette rencontre avec le groupe Chang. Vous décrivez un peu comme au départ... vous n'êtes pas à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Vous entendez parler de ce groupe qui répète. Vous dites comme si c'était une société secrète et qui répétait dans des caves. Mais vous avez l'intuition qu'il se passe là quelque chose qui est essentiel et qui touche au jeu de l'acteur et qui vous peut peut-être bouleverser des choses. C'est quoi cette intuition ? Ben, c'est une intuition qui est faite de plusieurs choses. D'abord, ce que vous dites qui est très attirant, c'est-à-dire c'est comme l'histoire des 13 de Balzac, quoi. C'est des sociétés secrètes, on ne sait pas où c'est. Et en plus, les gens ne veulent pas vous filer les infos. Donc vous ne savez pas où est l'atelier, en fait. Mais vous savez qu'au Père Lachaise, il y a une cave, peut-être il est là, on ne sait pas, il est reparti. Bon. Donc ça, c'est très, très, très intriguant quand on a une âme un peu d'enquêteur ou je ne sais pas. Et puis après, j'étais très intrigué et tout à fait intéressé par la phrase que j'avais entendue, qu'on m'avait dit, il y a un type un peu fou furieux qui, dans une cave à Paris, travaille sur Phèdre et Hippolyte, au pluriel, depuis 1 an. Et quoi, pour faire un spectacle? Non, non. C'est que du travail d'acteur. C'est quand même très intriguant. Et voilà. Et donc, tout cet énoncé-là était déjà comme une espèce d'injonction magique, quoi. Et après, c'est là où c'est le hasard, il vient voir un spectacle dans lequel je joue
Et je lui demande si je peux participer à son atelier sur les Phèdres Hippolyte. Et c'est là où il me dit non, ça c'est fini, mais si tu veux, on fait un spectacle à la rentrée à la Bastille, là, ben, tu viens avec nous. Voilà. Et ce qui est beau aussi, c'est, enfin, ce sont les mots qu'on vous adresse, les metteurs en scène que vous rencontrez ou les compagnons de route. Ouais. Vous citez des phrases ou des mots qui ont bouleversé des choses. Et Didier-Georges Gabilly, je crois, vous dit une première chose, c'est on met 10 ans à devenir comédien. Ouais. Donc ça, ça vous libère déjà d'un poids. Et puis, un mot important pendant une répétition que vous décrivez, il vous dit « ouvre ». Alors, on met 10 ans à devenir comédien, c'était parfait pour moi. Puisque au début, ça laissait le temps. Oui, je ne me sentais pas très bien et peut-être pas complètement légitime ou plein de choses. Et puis, tout d'un coup, j'arrive dans un groupe, donc où, puisqu'on parlait de l'amitié tout à l'heure, où quand même... La force d'un groupe, c'est l'amitié qui peut se tisser à l'intérieur, qui est très importante. Et surtout, cette phrase, ouais, on met 10 ans au moins à devenir acteur ou actrice, je me dis, bah, c'est parfait, moi je prends, je suis d'accord avec toi. Ça me donne du temps et ça m'a donné exactement le temps dont j'avais besoin pour ne pas être tout de suite... Bon, parce qu'il y a quand même un... C'est un peu aussi un marché, les acteurs et les actrices. Un marché de l'engagement, de susciter le désir chez un autre et tout ça. Bon, moi, j'étais pas non plus très à l'aise avec ça et pas très... Et donc, quelqu'un qui vous dit ça, ben, c'est quelqu'un qui vous dit « je te donne le temps et surtout, je t'évite d'être dans la preuve. » C'est-à-dire de montrer que tu joues bien, par exemple. Et qu'on va essayer d'être dans un processus et on va essayer de grandir à l'intérieur d'une recherche. Enfin, vraiment, c'était ce que je cherchais. Donc vraiment, c'était incroyable. Et ouvre, bon, ça c'est... voilà, tout d'un coup, il est dans la salle. Nous, on est 30 sur le plateau. On fait les cercueils de zinc d'après Svetlana Alexievitch. On est tous face publique parce que, bon, les spectacles de Didier étaient très, très, comme on disait à l'époque, formels. Donc on était immobile très longtemps. Et tout d'un coup, on entend quelqu'un, ben, lui, dans la salle, qui gueule, ouvre et tout ça. On ne sait pas à qui ça s'adresse. Tout d'un coup, je me dis, mince, c'est à moi que ça s'adresse. Et j'étais en train de dire mon texte. Et pendant que je dis mon texte, il me parle. Il me dit, ouvre, ouvre. Alors bon, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, ouvre le texte. Et donc, je parle un peu plus fort. Et puis, je me dis, c'est peut-être pas ça et tout ça. Bon. Et après, je dis, ouvre, ça veut dire juste, laisse-toi traverser par le texte et dis-le comme ça vient. Voilà. Commence par ça, quoi. Il y a aussi donc cette force de la troupe, du groupe dont vous parlez. Il y a quelques passages assez drôles. Donc vous décrivez plusieurs expériences avec Didier-Georges Gabilly. Ces tournées où vous débarquez comme une horde dans les théâtres, dans les lieux, dans les villes. Et puis vous décrivez ce costume tout-terrain de la décentralisation théâtrale, le gilet camionneur zippé bleu marine, noir ou bordeaux. Vous l'avez délaissé, ce gilet ? Ça, je suis content gilet. Que vous citiez cette phrase. Mais alors vraiment... Pardon, elle est... Non, mais vraiment. Je l'ai remise. Elle m'a beaucoup plu. Ben, on était tous en gilet camionneur zippé. C'était vraiment le costume de la décentralisation théâtrale. C'est le truc le plus pratique, c'est-à-dire quand on a froid, on le met, quand on a chaud, on le dézippe, on l'enlève. Et comme on était tout le temps à droite, à gauche, c'était vraiment le... Et il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc c'était un peu des pulls un peu tristounets aussi. Bleu marine, noir ou bordeaux, voilà. Mais on avait tout ça. Moi, j'en avais plusieurs exemplaires du même truc, du gilet. J'avais toutes les couleurs. Je voulais lire un petit extrait du livre où vous vous adressez justement à Didier-Georges Gabilly, Nicolas Bouchot. C'est ça que tu as construit pendant des années, des maisons pour les acteurs et les actrices. Pas de grands immeubles, pas d'hôtels de luxe mondialisés, non, des maisons, simples, des maisons pour passer, pour circuler, pour respirer, d'innombrables seuils. Et c'est ça qui nous a protégés. Toi, tu avançais en première ligne, avec tes textes et le risque d'être critiqué, jugé, moqué en tant qu'écrivain. Nous, dans nos maisons, nous pouvions grandir, travailler sereinement et violemment souvent, mais à l'abri du marché et de la dépendance au désir de l'autre. Je voulais quand même te dire ça. C'était important, ça, d'être à l'abri, à un moment donné, pour travailler, pour avancer ? Très. Très. Vraiment très. Très. C'était vraiment... quand on me disait tout à l'heure l'histoire de la cave, des Phèdres Hippolyte et tout ça, non seulement c'est ce que je cherchais, mais en plus je pense que ça a été important pour nous tous. Et Didier prenait en charge quand même c'est lui qui écrivait les textes, c'est lui qui mettait en scène, donc le premier à être attaqué, c'était lui. Et quand je parle de maison,
c'est pas seulement dans un sens imagé, en fait. Il y avait cette chose sur la scène du théâtre, dans les spectacles de Didier, que j'ai pas tant retrouvé que ça après, en fait, où les circulations, les mouvements sur scène faisaient que très vite, ça devenait une réalité tangible. C'est-à-dire qu'on était sur scène comme dans une maison et qu'on y circulait comme dans une maison. Très vite, ça devenait chez nous. Il y avait quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'avec cette idée que reproduire quelque chose au théâtre, c'est pas tellement refaire ce qu'on a fait la veille, mais c'est retrouver la façon dont on veut être ensemble. La façon dont on est les uns par rapport aux autres sur le plateau. C'est ça la maison aussi. Et d'ailleurs, vous décrivez très bien l'espace entre chacun, le souffle qui existe, ouais. Toute cette architecture, ouais. En fait, ouais. Des corps et entre les corps. Oui, ça c'est dans les cercueils de zinc, parce que c'était vraiment un spectacle choral où on était 30 dans la toute petite salle de la Bastille. Et comme il n'y avait pas assez de place dans les loges c'était des Algeco qui étaient sur le trottoir de la rue de la Roquette. Et là, c'était vraiment choral, donc on avait juste des fragments de texte à dire. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'il y a cette idée que 30 personnes respirent ensemble. Alors, aujourd'hui, ça paraît carrément un luxe énorme. Respirent ensemble, se donnent le droit de respirer ensemble, prennent du plaisir à respirer. Et voilà, et c'est comme un paysage qu'on invente, c'est-à-dire qu'on invente le vent, quoi. La respiration, c'est le vent. On est en train de témoigner pour des mères et des soldats soviétiques au moment de la guerre d'Afghanistan, et on se passe la parole les uns les autres, et ça se passe véritablement, concrètement, ce que je dis à un moment dans le livre, c'est-à-dire qu'on dit toujours au théâtre il faut toujours être dans l'écoute de l'autre, mais ici aussi il faut être entre l'autre, enfin il faut prendre soin du entre. Voilà. On va écouter la voix d'un autre compagnon de route, Nicolas Bouchaud. Le metteur en scène Jean-François Civadier, on est en 2007 et c'est le roi Lear dans la cour d'honneur. Moi j'aime bien travailler à partir de l'idée de pauvreté, hein, même si le décor peut coûter cher, l'idée du pas grand-chose a énormément à voir avec cette pièce en plus. Et ce qu'on mesurait par exemple à Avignon, ce qui était très beau, c'est comment le lieu de la cour d'honneur parlait de cette chose qu'il y a dans la pièce, c'est comment l'intime de Lear et l'extérieur de Lear sont au bout d'un moment la même chose, mais comme l'acteur en fait. L'acteur sur le plateau de la cour d'honneur, il est à la fois confronté à son intimité parce qu'il est très très exposé et pas si loin que ça du public en fait, et puis il est confronté à l'immensément grand. Nicolas Bouchaud, à l'époque de ce roi Lear dans la cour d'honneur, donc vous racontez ce moment singulier, et puis ensuite ces deux corps qui vivent ensemble en parallèle, comment vous les définiriez ? Les deux corps du roi, les deux corps du roi en fait. C'est parce que vous savez, il y a une vieille, à l'époque élisabéthaine, il y a la théorie juridique des deux corps, c'est-à-dire le corps politique est immortel. On ne parle pas de la mort du roi, mais de la démise du roi. Et le corps naturel, lui, est mortel. Ça, c'est un thème chez Shakespeare, hein. C'est tout Richard II, c'est-à-dire... Et il y a ça dans le roi Lear, c'est-à-dire quand Lear dit... qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi je pleure ? Il parle à ses yeux qui pleurent et tout ça. Il parle à son corps naturel, c'est-à-dire à son corps souffrant, et plus à son corps politique qui, jusqu'ici, l'avait protégé. Mais comme il a dit à ses filles, « Je vous donne tout », et moi, je me retire des affaires, eh bien, il est confronté à ce corps naturel, à ce corps vagissant, pleurant, et puis il va aller jusqu'à la folie. Et comme moi, à cette époque-là, je n'étais pas dans un état... quand je jouais le roi Lear, j'étais pas dans un état très brillant. Je faisais une dépression pendant que je jouais le roi Lear. Et donc... tout d'un coup m'est apparue cette idée des deux corps, donc de l'époque élisabéthaine, qui pouvaient tout à fait
jouer avec l'idée de l'acteur, c'est-à-dire le corps d'un personnage qui lui restera toujours, puisque d'autres acteurs rentreront dans ce corps, de Richard II, du Roi Lear, etc. Et le corps de l'acteur, c'est vraiment le corps suant, pleurant, voilà, se vidant de toutes sortes de liquides au fur et à mesure des représentations. Donc c'est cette idée-là des deux corps, quoi. Mais effectivement, pendant le Roi Lear, j'avais cette chose très, très... Ouais, et peut-être c'est pas un hasard si c'est tombé sur cette pièce, puisque ça raconte quand même une chute vertigineuse, Lear, vraiment. Mais voilà. Ce qui est très beau dans le livre, Nicolas Bouchaud, c'est que justement, vous parlez de tous ces moments forts de découverte, d'avancée, de devenir acteur, de... et puis aussi les moments de fragilité, évidemment, de doute, d'échec parfois, qui font partie du... qui apprennent aussi ce que c'est d'être acteur d'une façon différente. Et en 2008, vous parlez d'une autre expérience à Avignon. Et là, je voulais juste lire un petit extrait aussi. Vous êtes dans la carrière Boulbon, c'est le partage de midi. Et puis, vous répétez, et puis arrive le jour de la première. Et là, il y a 600 spectateurs qui sont face à vous, et vous sentez très vite qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que vous avez voulu faire. Et alors là, je lis un extrait de la sensation que vous avez ressentie. Face à nous, toute l'assemblée des spectateurs, dans un silence assourdissant et une certaine façon de se redresser dans leur siège, toute une assemblée nous dit non. Nous dit pas comme ça. Nous dit pas cette fois. Nous dit pas vous, pas maintenant, pas ici. La sensation de 600 corps, 600 têtes, 1200 bras qui se retirent du jeu. Comme un océan qui refluerait jusqu'à ne plus laisser qu'un désert de sable, d'algues, de rochers et d'animaux marins. La sensation d'un désert. La sensation d'un cirque romain. La sensation d'être en face d'un dragon à 600 têtes. Comment on fait justement pour le lendemain se dire j'y retourne, je recommence et j'essaie de retrouver? Alors c'est pour ça que c'est intéressant de raconter les moments des moments comme ça, des moments qu'on pourrait dire des moments qui se sont mal passés pour être gentil et de gros échecs parce qu'on sait, nous, même au moment où ça se passe, cette première à Avignon, on sait que le spectacle n'est pas celui que nous sommes en train de faire. On sait que notre rêve et notre désir nous ont conduits à imaginer un autre spectacle qui n'est pas exactement le bon. C'est pour ça que je dis que c'est comme un rendez-vous tout d'un coup qui, ce jour-là, est raté, est totalement raté. Mais on continue parce qu'on sait qu'on a, on sait où on veut aller et qu'on est, il y a suffisamment d'amour et d'amitié entre nous pour savoir que ça va continuer, on va continuer. Et ça, c'est une chose, par exemple, cette chose-là, qui n'est pas toujours le cas de tous les spectacles, mais ça m'est quand même arrivé quelquefois d'arriver aux premières représentations avec des choses un peu brinque-ballantes, et à force de travail, ça devient un spectacle magnifique. Et ça, par exemple, ça, pour moi, c'est un truc d'espoir dans le travail de création, le travail artistique, qui est vraiment extraordinaire. Parce que c'est jamais... on peut toujours continuer à travailler. On avait cette certitude au moment du partage, mais après, ce qui était drôle à ce moment-là, c'est qu'on avait tellement dérivé en restant un mois dans cette carrière Boulbon, en voyant vraiment le lieu s'installer. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Donc tous les jours, il y avait des choses nouvelles qui arrivaient, la cantine, les toilettes et tout ça. On répétait de 5h, de 17h à 4h du matin. Moi, j'ai perdu totalement la notion du temps. Et le jour où les 600 spectateurs sortant du train, quasiment, en plus Avignon, les premières et tout ça, en plus Valérie Dréville était artiste associée à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui nous arrivait. Et là, dans ce genre de représentation, ce qui est terrible, c'est vraiment l'image, c'est un bateau dans une tempête, on peut écoper un peu, mais jusqu'au bout, ça n'ira pas. C'est parti comme ça et ça n'ira pas. Peut-être parfois, c'est de se dire que on parle jamais de dans le spectacle vivant, les concerts ou le théâtre, il y a quand même un truc de l'ambiance du moment. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a parfois des spectacles ou des concerts qui sont tout d'un coup extraordinaires parce que ce soir-là, c'est comme ça ou voilà. Et ce jour du partage de midi, c'était pas le moment en fait. C'était pas sauver le moment, c'était juste pas le moment de faire ça ce jour-là devant. Il y a quelque chose de très beau aussi en filigrane de l'écriture, Nicolas Bouchaud, c'est cette
pensée sur la mission de service public, sur le théâtre comme lieu de pensée. Et à un moment, je crois, vous parlez de ce combat entre penser et divertir, justement, et la façon dont vous avez trouvé comment réconcilier ça. Ben, c'est la phrase de Brecht, enfin de Galilée écrit par Brecht, qui dit quand même cette chose que je trouve merveilleuse. Penser est un des plus grands divertissements de l'espèce humaine. Et Brecht, il l'écrit pas par hasard. Penser, divertissement. D'habitude, ce sont deux termes qu'on oppose. Du moins que l'industrie culturelle oppose, puisque selon l'industrie culturelle, il faut consommer de l'art ou de la culture comme on veut, mais tranquille. Pas réfléchir. Demain, vous retournez travailler. Pas de problème. Donc Brecht, il met en opposition deux termes comme ça. Et c'est le frottement, c'est la dialectique, quoi, qui fait que une pensée peut arriver quand deux termes s'opposent. Il faut penser entre ces deux termes pour créer des puissances de pensée. Et bien sûr, il y a toute une chose sur Galilée, d'ailleurs, même du personnage, qui est véritablement un personnage vraiment populaire, que Brecht a voulu montrer comme une sorte de Falstaff, quoi. Et effectivement, toute la pièce de Brecht peut se lire comme une façon de transmettre quelque chose au plus grand nombre, voilà, sans différenciation et sans a priori sur ceux qui écoutent et qui viennent voir. Est-ce que vous continuez d'écrire, Nicolas Bouchaud, en ce moment, sur les répétitions que vous vivez, par exemple avec Sylvain Creusevaux, je crois que vous répétiez. Est-ce que l'écriture accompagne le travail maintenant, ou pas forcément ? Pas spécialement. En revanche, c'est pas directement l'écriture, c'est plutôt de... Ce qui me vient, c'est des récits, mais pour l'instant, que j'ai pas couché sur le papier. Mais je les laisse venir, et puis après, j'essaierai de les écrire. Mais je ne m'oblige pas à le faire, à écrire, pour l'instant. Écoutez Tous en scène sur France Culture, en direct du Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Nous allons laisser Nicolas Bouchaud aller se préparer avant la lecture que vous entendrez à 21h et qu'il fera avec Nathalie Richard, une sélection de textes, pages arrachées à la vieillesse. Et nous attendent sur la scène Marie Modiano et Peter Von Paul. C'est un premier album en duo qui est sorti le 29 janvier, Songs from the Other Side. Même si l'histoire ne date pas d'hier, puisqu'ils se sont rencontrés en 2005, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont collaboré sur une douzaine de disques. Mais celui-là, c'est le leur, à eux deux. Il y a des reprises, des compositions originales. Je crois que c'est aussi le résultat d'une résidence, d'une carte blanche au Centre Pompidou il y a un an à peu près. Et puis vous avez imaginé, Marie Modiano, Peter Von Paul, une histoire au départ, en tout cas des personnages. Ce sont deux amants qui se retrouvent dans l'au-delà et qui sont condamnés à l'amour éternel. Donc ça oriente un peu ce qu'ils vont chanter, j'imagine. Marie Modiano. Oui, c'est comme nous, on est musiciens dans la vie et qu'on travaille beaucoup ensemble. On s'est dit, on va tourner ça un peu, pas en dérision, mais un peu se moquer de nous-mêmes dans une version de l'au-delà. Donc, il y a deux musiciens qui sont condamnés pour l'éternité à se chanter des chansons d'amour. Et ces chansons sont un peu comme une bande originale subliminale de ce qu'ils ont pu entendre dans leur vie, à la radio, dans des soirées, ou même ce qu'eux-mêmes ont chanté sur scène ensemble. Peter Von Paul, quelles chansons, quelles reprises sont arrivées en premier, qui étaient de façon évidente, qui faisaient partie de ce disque ? C'est une bonne question, parce que justement, on voulait que ces chansons ne soient pas forcément nos chansons préférées, ou des chansons de ces deux personnages qui étaient sur scène. Donc c'était un peu arrivé
comme une sorte de voilà de la dans la narration aussi. Comme un patchwork un peu de chansons d'ailleurs pour la plupart d'entre elles assez qui sont dans l'inconscient collectif, des chansons très connues mais qui seraient déformées par le filtre de la mémoire. Et d'ailleurs la bande magnétique était très présente sur scène. On marchait dans des kilomètres, enfin dans des milliers de cassettes et c'était aussi vraiment un rappel à la mémoire à travers ces mélodies. Comme une sorte de fouille archéologique dans nos souvenirs musicaux, que ces chansons soient une sorte de jukebox de chansons d'amour qui auraient quelque sorte mis en écho sur eux-mêmes. Voilà. Et le premier morceau que vous allez chanter, A Song from the Other Side, ça c'est une composition? Oui, c'est une nouvelle chanson. Enfin, il y a plusieurs compositions originales sur l'album et elle en fait partie. On vous écoute. On vous laisse vous installer. C'est donc le premier morceau et ensuite, vers la fin de l'émission, on aura un deuxième morceau qui lui sera une reprise d'un film de Chaplin. Song.
From the other side, a song. From the other side. Merci beaucoup, Marie Modiano, Peter Von Paul. On va poursuivre avec la voix du dramaturge suédois Lars Norén, c'est en 2007. Jag försöker att ta in samhället. J'essaie de m'inspirer de ce qui se passe dans la société, des personnes qui se trouvent dans notre société, de ces personnes qui n'ont pas leur propre langage. Jag försöker ta upp det på scenen. En fait, j'essaie de les faire parler sur scène. Samtidigt som jag vill ge dem teaterns instrument. J'aimerais leur donner cet outil qu'est le théâtre. För teatern är ett väldigt starkt instrument. Car le théâtre est un instrument très fort. För befrielse och qui permet de libérer les gens, qui leur permet d'exister. Men jag jobbade i fängelset ett helt år. Et en fait, j'ai travaillé dans cette prison pendant toute une année. Med tre fångar. Avec trois prisonniers. Och den processen de genomgick när de lärde sig texten. Passé à travers un processus très fort lorsqu'ils ont appris le texte. När de började uppleva en sorts god petit à petit, narcissisme. Ils avaient l'impression d'être un peu narcissiques, mais c'était positif. De hade varit präglade av en malign narcissisme. Avant, ils étaient imprégnés d'un narcissisme malin, si je peux dire. Och jag arbetade med dem på samma sätt som jag arbetade med professionella skådespelare. Avec eux exactement de la même façon que lorsque je travaille avec des professionnels. Och det är en av de linjer som jag har haft som teaterchef. Ça a toujours été ma position, ma ligne de conduite en tant que metteur en scène. Bryta ner muren mellan åskådare. Faire tomber ce mur qu'il y a entre les personnes dans la salle, la société et les acteurs. De Lars Norén, c'est aussi une façon pour nous de lui rendre hommage puisqu'il a disparu il y a une dizaine de jours, le 26 janvier dernier. Il a fait plusieurs pièces qui sont des huis clos comme ça, notamment dans une prison. Clinicon, la pièce sur laquelle vous travaillez, c'est dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'écriture de Norén et dans cette pièce en particulier? Pourquoi vous avez choisi celle-ci? Oui, il y a toujours un peu plein de raisons. Effectivement, cette pièce, c'est un huis clos. On pourrait dire que c'est un temps réel. Le lieu, ce n'est pas la prison, c'est l'hôpital. Alors, c'est singulier. Parce que, effectivement, il y a une série de pièces, notamment catégorie 3.1, qui est très cousine, comme ça, de Clinicon. Mais ce n'est pas le même espace. C'est des marginaux, ils sont dehors. Alors, l'espace, ça fait tout, quoi. Donc là, il y a un espace fixe comme ça et beaucoup de personnages qui se retrouvent à coexister dans ce lieu-là. Et c'est très beau parce que c'est des gens... Moi, évidemment de tous horizons, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui a priori n'auraient pas dû se rencontrer. Et on pourrait presque comme une espèce de salle d'attente où les gens se retrouveraient du coup à parler, parce qu'ils sont là les uns à côté des autres. Presque des discussions quotidiennes et banales, a oui, priori, tout à fait. Qu'ils ne sont pas évidemment, puisqu'on se rend compte que chacun a une pathologie particulière et n'est pas là par hasard, mais ça part en effet de choses plutôt quotidiennes. Oui, tout à fait, c'est ça qui est beau dans son écriture et même qui est assez drôle aussi. Il y a beaucoup d'humour pour moi dans ce que ça crée, ces gens-là, les uns à côté des autres, qui essaient d'entrer en rapport les uns avec les autres et qui ont effectivement des pathologies différentes, et on est parfois surpris parce que c'est des degrés différents. C'est un hôpital un peu singulier parce qu'on a un schizophrène à côté d'une jeune anorexique ou d'un type qui venait de la pub et qui est en burn-out. Enfin, il y a vraiment tout type comme ça de pathologies. Effectivement, il y a aussi pour moi beaucoup d'humour de par la façon qu'ils ont les uns et les autres de s'approcher et de tenter de se parler. Et c'est une écriture effectivement qui est presque en surface. Il y a un côté l'air de rien dans cette écriture, je trouve, parce qu'on va aussi bien commencer par dire « Et toi, qu'est-ce que tu prends comme médicament ?» Puisque moi, j'ai pris ce médicament-là, je trouve qu'il ne marche pas très bien, je ne sais pas toi. Ça commence comme ça, quoi. Donc il y a une espèce de presque une inertie. Et puis la grâce arrive au milieu de ça, parce qu'évidemment que les gens se mettent d'un coup à déplier des bouts de leur vie, hein, l'enfance ou un projet ou quelque chose qui fait qu'on comprend soit pourquoi ils sont là, soit ce qui les fait souffrir, et la poésie se greffe là-dedans. Donc ça, c'est assez magnifique la façon dont les choses sont structurées par fragments comme ça, puis il y a toujours un moment, un portrait comme un gros plan sur les uns ou sur les autres.
Et dans votre travail, il y a parfois l'influence du cinéma. Là, la pièce, elle est en train de se répéter. Vous commencez, ça sera créé à l'automne prochain. Mais dans, dans les images d'inspiration que vous avez mises dans le dossier qui présente le projet, il y a des images de films, de Pardon, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a une force à la fois documentaire et poétique dans la pièce, ces deux forces qui coexistent. Comment vous tirez ces deux fils-là? Oui, on pense bien sûr à... Enfin, moi, en tout cas, je pense bien sûr à De Pardon, parce que c'est du documentaire et que l'écriture de Noren est très documentaire aussi, je trouve. Donc, il y a d'emblée quelque chose de cinématographique aussi pour ce que ça propose aux acteurs. Et on pourrait dire De Pardon, il fait l'inverse. C'est-à-dire, il a une façon d'amener de la fiction dans le documentaire que je trouve assez étonnante par la façon dont il agence les plans, dont il fait le montage. Donc après, nous, c'est un autre travail puisqu'on est au théâtre. Voilà, il y aura un travail de vidéo, par exemple, mais je ne sais pas encore de quoi il sera fait. Mais effectivement, ce mot documentaire, il marche avec moi parce que je trouve que l'écriture fonctionne ainsi. Elle est aussi bourrée de références à son époque. On actualisera certaines... Les personnages sont souvent en train de parler du monde comme ça, des journaux, des livres. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on actualisera de ci, de là. Puisque c'est début des années 90. Ouest 94. Donc ça, c'est... Ils sont tout le temps en train de parler soit de la télé ou d'un fait divers. Donc c'est en filigrane, hein, comme ça, dans le texte. Il ne s'agit pas de toucher à la structure du texte ni au dialogue. Mais voilà, c'est comme un état du monde qui est posé là. Donc la dimension documentaire, elle est très forte pour moi. Donc ça pourra passer par de la vidéo, par le jeu d'acteur, par ses références, ses actualisations, etc., quoi. Voilà, elle fonctionne comme un miroir. Et on parlait de l'art de l'acteur avec Nicolas Bouchot. Comment vous commencez à travailler sur ce texte avec les comédiens? Je crois que quand vous parliez de Pélas et Mélisande que vous aviez mis en scène précédemment, vous aviez commencé par des improvisations avec les comédiens. Ça commence par quoi, avec les comédiens sur scène, le début des répétitions? On n'a pas commencé encore. Ça va commencer comment? Ça commencera à l'automne, les répétitions. Mais oui, j'aime bien souvent faire des improvisations. L'enjeu est là, évidemment, il y a 12 personnages, 12 acteurs, il y a une bande à constituer, et il y a des personnages forts à rencontrer à travers des situations, bien sûr, mais les improvisations, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire ça sert à pas commencer par la textualité, mais que le texte soit comme un outil. On pourrait dire, chez Noren, on a l'impression que c'est comme s'il avait enregistré ces personnes-là, comme si c'était le compte-rendu papier de l'enregistrement de personnes réelles. Enfin, faut jamais oublier ça, ça aide aussi à pas sacraliser, pas commencer par sacraliser le texte. Il ne s'agit pas de faire entendre le texte, même si au résultat, bien sûr, c'est important, mais que l'acteur commence d'abord par la rencontre intime avec le rôle. Donc le premier travail, là, c'était la distribution, qui n'est pas finie d'ailleurs, mais au fond, c'est déjà le premier travail. Et comme vous êtes artiste associé au TNB, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, où ce sera créé, Kliniken, donc de Lars Noren, Julie Duclos, je crois que vous avez travaillé à partir de textes de Lars Noren, dont celui-ci, avec les élèves de l'école, et que vous avez travaillé la technique du monologue intérieur de Christian Loupa. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet aux comédiens? Oui, Loupa, ça a été une rencontre importante pour moi. J'ai fait plusieurs stages avec lui. Effectivement, il fait un travail très physiologique. Donc lui, quand il parle de monologue intérieur, c'est, on pourrait dire, toute la part secrète, invisible, en fait. C'est un travail sur l'invisible. Donc c'est dans la continuité de ce que je disais, de comment amener l'acteur à finalement entrer en rapport à tout ce qui... C'est un travail très intuitif pour entrer en rapport à tout ce qui est autour du texte, tout ce que le texte contient. Justement, on disait, autant chez Méterlin qu'on est dans les profondeurs tout de suite, chez Noren, on est plutôt sur la surface, comme ça. Donc c'est comme d'essayer de sentir tout le paysage que peut contenir une personne, y compris là, quand on se parle, il y a les mots qu'on se dit, mais il y a aussi une certaine atmosphère, il y a une physiologie, il y a nos pensées qui voilà, c'est de se mettre en rapport à ça, à cette dimension autre, qui n'est pas que le texte, et donc l'acteur écrit, enfin voilà, c'est tout un travail aussi qu'il fait chez lui, pour créer une espèce de, on pourrait dire, de continuité entre la vie et le plateau, finalement, aussi. Voilà, que le plateau, c'est plutôt les bribes, c'est les restes de ce qu'on a ouvert de rêve en dehors du plateau. Donc le temps de vie, il est important aussi dans le travail avec l'acteur. Et là, vous le disiez, Kliniken, c'est un lieu et puis un temps, puisque c'est une journée dans ce lieu-là. Nicolas Bouchot en parle aussi beaucoup dans son livre, l'importance évidemment de créer du temps, de créer une durée, et ce travail du temps sur scène. Comment vous le pensez, comment vous le préparez
ce temps-là qu'il va falloir créer. Oui, c'est parce qu'en plus, il faut créer du temps dans le temps. Le temps, c'est une chose... qu'est-ce que c'est les lenteurs, les vitesses? Qu'est-ce que c'est la durée? Qu'est-ce que c'est effectivement ces moments qu'on peut ressentir comme spectateur de pure présence? Souvent, quand on se souvient d'un spectacle fort ou d'un instant, on se souvient du présent, en fait. Donc, effectivement, on est en quête en permanence du présent. Et dans cette pièce, il y a un effet de temps réel, puisqu'il n'y a pas d'histoire, le suspense, il ne tient pas dans les faits. Et c'est une journée, mais c'est toutes les journées aussi, parce qu'on est dans l'hosto. Donc, en même temps, tout se ressemble. On ne sait pas bien c'est pas non plus du matin jusqu'au soir, donc déjà il y a une durée particulière. Ils sont quand même eux-mêmes presque comme un peu en prison, ils sont plongés dans une durée particulière et on pourrait dire que peut-être par le travail d'immersion, il y a des durées à l'intérieur de ça. Parce que d'un coup, quand la jeune Sophia se met à déplier sa vérité et le silence d'après et il pleut, c'est des durées qui s'agencent aussi entre elles. Donc c'est très musical, hein, Noren, ça va être ça, tout le travail, parce que ça n'est que des gens qui parlent, hein, et qui entrent, qui sortent, qui errent et qui sont là, et c'est que de la parole. Donc oui, pour donner corps à tout ça, ça va être un travail effectivement sur le temps aussi, sans doute. On va se réimmerger dans un temps singulier, celui de vos morceaux, Marie Modiano et Peter Von Paul. Je crois que le deuxième morceau s'appelle « Eternamente », et ça c'est Chaplin. Oui, c'est la musique des Feux de la Rampe, et là c'est la version italienne en chanson. Parfait. Palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore. Sempre tu lo sai, ti attenderò, se mi chiamerai t'atteverò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te. Solo per te, amore. Se ci separò nella vita il destino, anche se lontano noi saremo vicini. Questo nostro amore grande non potrà morire. Chiamerai da te verrò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, Le théâtre a besoin d'alliés, et quand ils sont attaqués, c'est le lieu du théâtre et de la pensée aussi qui est menacé. Je ne voulais pas finir cette émission sans rendre hommage à un de ses précieux alliés, Lokman Slim, intellectuel, documentariste, éditeur, assassiné au Liban cette semaine. Nous le recevions dans l'émission en 2019 avec sa femme Monica Borgman. Il évoquait leur lieu culturel, ouvert dans la banlieue sud de Beyrouth, dans sa maison de famille, îlot en plein cœur du fief du Hezbollah. Ils avaient créé un centre d'archives pour la mémoire du Liban et de la guerre civile, et je lui demandais si ce lieu avait grandi.
Bon, grandi, bien sûr, il a grandi, diversifié, bien sûr, il s'est diversifié. Quant à se fixer une limite temporelle, je crois que finalement le propre de ce que nous faisons, c'est que finalement on ne pourra jamais le finir. C'est une sorte d'inachevé depuis le début. On sait très bien que finalement ce qu'on essaye de créer, c'est une sorte de prototype qui doit être élaboré encore plus. Nous essayons de faire de notre mieux. Nous essayons d'intéresser finalement des collègues à travers le monde arabe à le considérer, voir si avec tous les changements qui se passent autour de nous, ça pourrait correspondre plus ou moins aussi à certaines questions qu'ils se posent. Mais sinon, c'est un travail infini. Nous sommes tout à fait conscients que finalement, peut-être qu'il va nous survivre, mais sûrement nous n'allons pas lui survivre. Depuis le Liban, le metteur en scène Omar Abiazar de la compagnie Zoukak, avec qui nous enregistrions une émission en décembre à Beyrouth, nous a envoyé un message. Plusieurs de leurs spectacles s'inspiraient du travail documentaire de Lokman Slim, dont le courage, le calme, la ténacité nous faisaient penser qu'il était invincible. Bonsoir. J'essaie depuis quelques heures de mettre des mots sur cet assassinat, sur la mort de Lokman, sur cette exécution. J'essaie de comprendre ma rage, j'essaie de comprendre le fait que je n'arrive pas à mettre des mots. Et puis il m'est venu comme une évidence, c'est que Lokman, malgré toutes les menaces qu'il avait reçues, a décidé de rester à Beyrouth, a décidé de rester dans la banlieue sud, a décidé de garder son lieu culturel ouvert, a décidé de continuer de travailler, de dire, de ne pas se taire. Et je pourrais parler de tous les projets que nous avons faits avec Lokman, de la pièce de théâtre, avec les anciens détenus libanais en Syrie, de son film Massacre et de comment il nous a inspirés pour faire nos pièces de théâtre sur l'histoire du Liban. Je pourrais parler de la liberté d'expression, mais je ne trouve pas mes mots. J'ai envie de dire que Lokman, par sa résilience, par sa persistance, par son obstination à rester au Liban, à être présent à l'endroit où il allait être tué, à l'endroit où il savait qu'il allait être tué, m'a permis de comprendre quelque chose sur le théâtre, sur la nécessité de faire du théâtre, sur l'importance de la présence aux charnières de l'histoire, aux dépens de notre vie, aux dépens de notre santé. C'est dur à dire, mais j'aimerais un jour que mon théâtre, notre théâtre, le théâtre, puisse ressembler à la présence de Lokman dans ce monde, dans cette vie. Et nous finirons avec les mots de l'auteur-metteur en scène Wajdi Mouawane à Lokman Slim. Les mots sont faibles pour dire la peine, mais comme ils ont toujours été pour toi les armes les plus puissantes, ces mots-là, nous continuerons à leur faire confiance. Merci beaucoup à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission. Merci à Inès Duperron pour la préparation. À la technique ce soir, merci à Stéphane Foulon. Nous sommes toujours en direct depuis la scène du Théâtre de la Ville Espace Cardin. Nicolas Bouchot va nous rejoindre dans quelques instants. Il sera encore question de mémoire, de sauver le moment, le présent, les mots dans les lectures de ce soir. Il sera bientôt 21h.
Vous écoutez France Culture et Blandine Masson nous rejoint pour la fiction. Merci. Bonsoir. Merci. Merci Aurélie. Merci pour les mots, pour ces mots d'hommage à cet artiste assassiné au Liban. Merci d'avoir mis des mots sur ce courage et nous les retiendrons. Nous sommes ici au Théâtre de la Ville jusqu'à 22h en direct, sans public, comme vous l'imaginez, en direct sur le site du Théâtre de la Ville, sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville, une heure de lecture que nous avons imaginée dans une tonalité peut-être un peu grave aussi ce soir, une heure de lecture avec deux acteurs, Nathalie Richard et Nicolas Bouchot, à partir d'extraits de romans ou de pièces de théâtre ou d'essais d'écrivains et d'écrivaines qui se sont attelés à parler d'un état assez difficile à imaginer parfois lorsqu'on n'y est pas encore arrivé, c'est celui de la vieillesse. Alors, pendant que toute l'installation se fait pour cette lecture, je vais vous présenter aux auditeurs de France Culture. Je vous explique qu'on est sur un plateau avec des techniciens qui sont en train d'installer maintenant les micros, les chaises pour les deux acteurs qui vont lire. Et donc, moi, je vais vous présenter cette lecture. Alors, voilà, j'ai lu quelque part le texte d'un écrivain malien, Amadou Ampateba. Il disait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Il le disait en 1860 dans une conférence à l'ONU et il citait un proverbe africain. Alors je me suis demandé, quel est le proverbe en Europe qui nous rappellerait que la vieillesse est une de nos conditions, que la vieillesse est notre avenir pour les uns, notre présent pour les autres et que nous devons y prêter attention. Quel est le proverbe qui nous rappellerait la nécessité de la transmission entre générations? Alors c'est un virus qui nous a rappelé tous ces derniers mois l'existence des vieux et des vieilles. Il a fallu le scandale de leur isolement, de ces glissements invisibles et silencieux vers la mort, ce que tant d'entre nous ont connu chez leurs proches ou moins proches ces temps-ci, pour qu'enfin une société entière considère que quelque chose n'allait plus. Nous avions, il y a 2 ans, enregistré une série de textes sur la jeunesse, ici même au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. 50 comédiens et comédiennes pour 50 textes sur la jeunesse à travers le temps. Ils sont 2 seulement ce soir pour dire les textes choisis par Pauline Témoignet sur la vieillesse. Le temps n'est plus au grand rassemblement, aux troupes nombreuses sur les plateaux. Mais ici, ce soir, au Théâtre de la Ville, nous continuons à souffler sur les flammes de l'imagination, de la création. Et comme le disait Wajdi Mohamad, pour dire des mots, pour entendre les mots, c'est notre combat. Nous avons convoqué ce soir des écrivains qui se sont attelés à nous faire réfléchir ou rêver à cet état de vieillesse. Et nous avons arraché quelques pages à leur livre pour vous les lire ce soir. Donc ce sera Dino Buzzati, Oscar Wilde, Montaigne, Samuel Beckett, André Gorz, Simone de Beauvoir, Marcel Proust, Jonas Jonasson et Laure Adler. Ce seront nos compagnons du soir. Et la réalisation de cette soirée est signée par Christophe Hoquet. Pages arrachées à la vieillesse. Lu par Nathalie Richard et Nicolas Bouchot. Enregistré le 6 février 2021 en direct du Théâtre de la Ville, Espace Cardin. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. Laure Adler, la voyageuse de nuit. Je suis sur le rebord de la fenêtre de ma chambre partant de confinement et je parle, comme toute grand-mère responsable par Skype, à mon petit-fils, pourtant pas très éloigné de moi géographiquement et que j'ai tant envie d'embrasser. Je le vois très à l'aise sur mon portable en train de me parler et puis hop, tout d'un coup, il disparaît. Je vois à sa place une femme avec des lunettes. Elle cache ses cernes derrière ses lunettes, je me dis cela. Elle garde ses lunettes pour ne pas les montrer. Puis je remarque une asymétrie sur le côté droit de la bouche.
C'est alors que je touche le bas de mon visage comme pour en effacer les plis. À nouveau, cette épreuve, de plus en plus cruelle et qui se répète. Impossible de passer outre, de faire semblant. Chacune, chacun d'entre nous, arrivé à un certain âge, fait et fera de plus en plus ce genre d'expérience. Par définition, on ne se voit pas vieillir. Ça nous arrive par accident, par fulgurance. Alors quand c'est soi qu'on voit là, en face de soi, cruel, on se dit, et comment je vais faire pour me trimballer toute la journée dehors avec cette tête au milieu des autres, pour ne pas me faire remarquer avec cette tête si froissée? De dos encore, personne ne peut me suspecter, je fais encore illusion, mais de face, jusqu'à quand vais-je m'accepter? Jusqu'à quand vais-je me reconnaître? Je ne veux pas retrouver ma jeunesse, surtout pas. Je ne suis pas dans la nostalgie du passé. Je ne me trouve pas si différente. Certes, je suis un peu ralentie. J'attends que le feu soit rouge pour traverser. Je ne trouve pas les clés dans mon sac. J'oublie où je me suis garée la veille. Je me trompe de jour pour des rendez-vous. Je ne veux plus sortir tous les soirs. Je ne m'assagis pas pour autant. Je ne me sens pas diminuée dans ma joie de voir en ce début de printemps confisquer à cause du confinement de ma fenêtre les bourgeons sur les arbres dans ma rue. Et ce n'est pas parce que je vieillis que je ne participe pas pleinement à ce renouvellement. Pourtant, chaque printemps est poignant. Combien m'en reste-t-il à vivre ? Ma grand-mère, les jours de marché, quand on rentrait à l'appartement, s'asseyait toujours sur le même banc pour reprendre son souffle. Courbée sur elle-même, la tête baissée et les mains sur les oreilles, elle me disait comme pour s'excuser, « Tu verras quand tu auras mon âge. » L'âge était une fatalité que je comprenais comme une menace. Les vieux faisaient vieux. L'âge était un sort que le destin vous avait assigné, une certitude, un fait social total. On ne pouvait y échapper, ni en réchapper. Mais les vieux possédaient des privilèges. Ils avaient l'argent, le pouvoir. J'appartiens à une génération qui avait l'impression que les vieux lui barraient la route, l'empêchaient d'exister, ne lui laissaient pas de place et immobilisaient la société. On en crevait d'être jeune. Ce fut un levier important de mai 68. Je me souviens d'un slogan Ruguet-Lussac qui est resté longtemps. Il est interdit d'être vieux. Ça nous plaisait beaucoup. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Et nous ? Nous avions l'impression d'être en avant. Nous nous prenions pour les vigies de ce monde futur. Et les vieux étaient de trop. Même ceux que nous admirions, comme Jean-Paul Sartre, qui s'est fait bousculer quand il est venu à la Sorbonne parce que c'était un vieux monsieur. Professeur, vous êtes vieux. Votre culture aussi. Notre jeunesse était une arme en soi, une différence positive, et eux, ils étaient de l'autre côté définitivement. Ils ne comptaient plus. D'ailleurs, on les appelait les croulants. Aujourd'hui, c'est moi la super croulante. Et je ne peux qu'approuver les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir, critiquant légitimement l'égoïsme des générations qui les précèdent, qui leur font de moins en moins confiance, leur donnant peu de responsabilités, et leur laissant en héritage une planète abîmée qu'ils devront, eux, soigner pour continuer à vivre. Les milléniaux ont changé de monde, et nous, les baby-boomers, nous tentons maladroitement de nous adapter aux leurs en apprenant les codes de cet univers immatériel dans lequel ils baignent depuis leur haute enfance. Et si la véritable faille, l'aberrance différentielle, se situait dans cette différence de perception du monde commun ? Aujourd'hui, comme juste avant mai 68, se répand à travers le monde une révolte contre les vieux. On en a assez des vieux. Leur mot de ralliement est « Ok, boomer. Cause toujours, on ne t'écoute plus puisque tu es vieux. » Tout est parti d'une jeune députée néo-zélandaise écolo qui n'arrivait pas en novembre 2019 à se faire écouter par un hémicycle constitué de personnes de plus de 50 ans.
Elle a sorti une ardoise et a écrit son « OK, boomer ». L'expression a fait le tour des réseaux sociaux et est vite devenue virale. Des pancartes sont apparues dans les dernières manifestations pour la planète organisées par la génération Y partout dans le monde. À nous, les plus vieux, les plus jeunes reprochent de ne pas avoir pris nos responsabilités d'adultes. N'ont-ils pas raison de stigmatiser notre irresponsabilité collective ? Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, le nombre d'années que vous avez est devenu un critère objectif de vulnérabilité. Nous sommes considérés scientifiquement comme des personnes à risque. Certains milléniaux ne s'y sont pas trompés qui, dès l'apparition du virus, ont lancé avec succès sur les réseaux sociaux une nouvelle manière de la baptiser, Boom Remover, littéralement éliminateur de boomers. L'âge comme faiblesse, l'âge encore comme déficit. Déficit de barrières immunitaires, déficit de réaction, comme si nous étions tous déjà atteints. Le jour où le président a fait sa première allocution à la télévision, il a annoncé que les personnes de plus de 70 ans devaient rester chez elles, c'était une semaine avant le grand confinement, car elles étaient les plus fragiles. C'était justement le jour de mes 70 ans. Je n'ai pas pu les fêter. Le lendemain, mon employeur m'a signifié qu'en raison de mon âge, je ne pouvais plus aller travailler. Du jour au lendemain. La nuit suivante, j'ai rêvé que des policiers m'arrêtaient dans la rue, me demandaient mes papiers et me rouaient de coups parce que j'avais enfreint la règle. Chasseur de vieux. Roberto mesura le danger. C'est à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à deux fois avant d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Après 40 ans, on était vieux. Et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominés par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur, qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand ils parvenaient à en attraper un, ils le bourraient de coups de pied, ils lui arrachaient ses vêtements, le fouettaient, le peinturluraient de vernis, et puis l'abandonnaient, ligotés à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rire brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes. Cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait. Ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient, les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'à leur tenue par les patriarches.
L'âge est un crime, tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes, devant lesquelles l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin de leur feu s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. Roberto Saggini mesura le danger. Il se dit « Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. » Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Mais au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez ! Ouvrez !» supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours, quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir, personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairé par des réverbères puissants, 7, 8 types convergeaient vers lui, sans même courir, tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu », pensa Saggini. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus d'une cinquantaine de vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À gauche, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où s'était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à arriver sans encombre jusque-là. Après, dans le fouillis des boutiques, ce serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile. Et il vit, du coin de l'œil, une gamine courtaude qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle aussi portait un pullover avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant, et une bouche large qui criait « Arrête-toi, vieux cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La gamine lui tomba dessus. Mais l'homme, porté par son élan, la renversa et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, Saggini, avec tout le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient les plus épaisses, et les autres toujours derrière lui. Le cœur battant, essoufflé par sa course, Saggini s'était camouflé en se faisant le plus petit possible devant une grande banne, peut-être celle d'un cirque, complètement dans l'ombre, tâchant de se fondre sous les pans de toile. Silence. Pas une voix. Pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé? Une horloge lointaine sonna le quart de 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demi de 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 de 2 heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, Saggini se releva. Maintenant, peut-être il allait pouvoir se tirer de là. Soudainement, 3 ombres lui tombèrent dessus. Roberto s'enfuit comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le halètement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proche. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement, il l'avait acculé aux limites de la foire, qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, à une centaine de mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance sans être rejoint. Et cette manœuvre désorienta même les poursuivants. L'alarme fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait déjà atteint la lisière d'un petit bois. « Par là ! Par là ! Regardez-le ! Il veut se cacher dans le bois ! Allez, allez ! Sus au croulant !» La poursuite reprit. Si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé. Mais combien de temps encore a passé avant? Les horloges, ça et là, sonnaient les heures, mais dans son angoisse fiévreuse, il n'arrivait pas à compter les coups. Il descendit une colline, déboula dans une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière,
mais chaque fois qu'il se retournait et regardait derrière lui, trois, quatre de ces canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Lorsque ses dernières forces épuisées, il se jucha péniblement sur le rebord d'un vieux bastion à pic, il vit que le ciel, au-delà de la masse des toits, pâlissait. Mais il était trop tard, désormais. Il se sentait complètement exténué. Le sang coulait à flots de sa joue balafrée. Et Régora était sur le point de le rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se trouvèrent face à face tous les deux sur l'étroite arête herbeuse. Régora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, Sadjini fit un pas en arrière, ne trouva que le vide et tomba, roulant, sur le versant à pic, tout en pierre et en ronces. On entendit un bruit mou, puis un gémissement déchirant. Il n'y a pas laissé sa peau, mais on lui a donné la leçon qu'il méritait, dit Régora. Ils s'en allèrent par petits groupes, en commentant leur chasse et en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi ? Ils étaient très las. Le petit groupe se disloqua. Régora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ? » demanda-t-elle. « Et toi ? Toi aussi ?» Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, tu en as une figure ! Et tout ce blanc sur tes cheveux ? Mais toi aussi, tu as une tête épouvantable !» Une inquiétude soudaine. Cela n'était jamais arrivé encore à Régora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la cinquantaine environ, les yeux et les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire, il lui manquait deux dents juste sur le devant. Était-ce un cauchemar ? Il se retourna, la fille avait disparu. Et puis, au fond de la place, à toute allure, trois garçons se précipitèrent sur lui. Ils étaient cinq, huit. Ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, allez, tombez-lui dessus au croulant !» Maintenant, c'était lui le vieux, et son tour était arrivé. Régora commença à courir de toutes ses forces, mais elles étaient faibles. La jeunesse, cette saison fanfaronne et sans pitié qui semblait devoir durer toujours, qui semblait ne jamais devoir finir. Et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait plus rien à dépenser. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te goûtes. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, extrait du chapitre 2. Que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons. Vous possédez la jeunesse la plus merveilleuse qui soit, et la jeunesse est la seule chose qui mérite qu'on la possède. Un jour, quand vous serez vieux, flétriez-les. Quand les pensées auront marqué votre front de leurs rides et que la passion aura marqué vos lèvres de ses feux hideux, vous l'éprouverez. Vous l'éprouverez atrocement. Pour le moment où que vous alliez, vous charmez le monde entier. En sera-t-il toujours ainsi ? Vous avez un visage d'une admirable beauté, Monsieur Gray. Ne froncez pas le sourcil. C'est la vérité. Et la beauté est une forme de génie, supérieure en fait au génie, car elle ne requiert aucune explication. Elle est l'une des grandes réalités de notre monde, comme l'éclat du soleil, le printemps,
ou la réflexion dans les eaux sombres de cette conque d'argent que nous appelons la Lune. Impossible de la mettre en doute. Elle est, de droit divin, souveraine. Elle change en prince ceux qui la possèdent. Vous souriez ? Quand vous l'aurez perdue, vous ne sourirez plus. On dit parfois que la beauté n'est que superficielle. Cela se peut. Mais du moins n'est-elle pas aussi superficielle que la pensée ? Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Seuls les esprits superficiels refusent de juger sur les apparences. Le véritable mystère du monde, c'est le visible, non pas l'invisible. Oui, Mr. Gray, les dieux vous ont été propices, mais ce que donnent les dieux, ils ont tout fait de le reprendre. Vous ne disposez que de quelques années pour vivre réellement, parfaitement et pleinement. Quand votre jeunesse s'en ira, votre beauté s'en ira avec elle, et vous découvrirez alors qu'il n'y a plus de triomphe en réserve pour vous, ou vous devrez vous contenter de ces triomphes médiocres que le souvenir de votre passé rendra plus amer à votre cœur que des défaites. Chaque mois qui touche à sa fin vous rapproche de quelque chose d'effrayant. Le temps est jaloux de vous et guerroie contre vos lits et vos roses. Votre teint se plombera, vos joues se creuseront, vos yeux s'éteindront, vous souffrirez atrocement. Réalisez votre jeunesse pendant que vous la détenez. Ne dilapidez pas l'or de vos jours à écouter les raseurs, à essayer d'améliorer les ratés indécrottables ou à abandonner votre vie aux gens ignorants, communs ou vulgaires. Ce sont là les objectifs malsains, les faux idéaux de notre époque. Vivez. Vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Ne laissez rien perdre. Recherchez inlassablement de nouvelles sensations. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme, voilà ce qu'il faut à notre siècle. Vous pourriez en être le symbole visible. Avec la personnalité qui est la vôtre, il n'est rien que vous ne puissiez faire. Le monde vous appartient, le temps d'une saison. Dès l'instant où j'ai fait votre connaissance, j'ai vu que vous étiez totalement inconscient de ce que vous êtes réellement, de ce que vous pourriez réellement être. Il y avait en vous tant de choses qui me charmaient que j'ai senti qu'il me fallait vous parler un peu de vous. Je me suis dit qu'il serait tragique que vous fussiez gâché. Car il est si bref le temps que durera votre jeunesse, si bref en vérité. Les simples fleurs des collines se fanent, mais elles refleurissent. Le cytise sera aussi jaune en juin prochain qu'il l'est à présent. Dans un mois, l'on verra des étoiles pourpres sur la clématite, et année après année, la verte nuit de ses feuilles abritera ses étoiles pourpres. Mais nous ne récupérons jamais notre jeunesse. La pulsation de joie qui bat en nous quand nous avons 20 ans s'engourdit, nos membres nous font défaut, nos sens se décomposent, nous dégénérons et devenons des pantins hideux, hantés par le souvenir des passions qui nous ont trop effrayés et des tentations exquises auxquelles nous n'avons pas eu le courage de céder. Jeunesse, jeunesse. Il n'y a absolument rien en ce monde que la jeunesse. Dorian Gray ne répondit rien, mais passa avec nonchalance devant son portrait, puis se tourna vers lui. Quand il le vit, il eut un recul et ses joues s'empourprèrent momentanément de plaisir. Un regard joyeux illumina ses yeux comme s'il se reconnaissait pour la première fois. Il resta immobile, rempli d'étonnement et d'admiration. Le sentiment de sa propre beauté l'envahit comme une révélation. Il ne l'avait encore jamais éprouvée. Il n'avait pris les compliments du peintre Basil Hallward que pour d'agréables exagérations dues à l'amitié. Il les avait écoutés, en avait ri et les avait oubliés. Il n'avait eu aucune influence sur sa personnalité. Puis avait surgi Lord Henry Wotton, avec son étrange hymne à la jeunesse, sa terrifiante mise en garde contre la brièveté de cette jeunesse. Il en avait été sur le moment touché, et maintenant qu'il contemplait le reflet de sa
propre beauté, il sentit en un éclair toute la réalité de cette description, oui. Un jour viendrait où son visage serait ridé et parcheminé, où ses yeux auraient perdu leur éclat et leur couleur, où toute grâce et toute forme l'auraient abandonné. L'incarnat de ses lèvres, l'éclat doré de ses cheveux disparaîtrait. La vie, en façonnant son âme, abîmerait son corps. Il deviendrait horrible, hideux, grotesque. Comme c'est triste, murmura Dorian Gray, gardant les yeux fixés sur son portrait. Comme c'est triste. Je vais devenir vieux, horrible, effrayant. Mais ce tableau restera éternellement jeune. Il n'aura jamais un jour de plus qu'en cette journée de juin. Si seulement ce pouvait être le contraire. Si c'était moi qui restais toujours jeune et que le portrait, lui, vieillit. Pour obtenir cela, pour l'obtenir, je donnerai tout ce que j'ai, oui. Il n'y a rien au monde que je refuserais de donner. Je donnerai mon âme pour l'obtenir. Essai. Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu. Je ne crains pas plus le passé que l'avenir, et si je ne m'abuse, il en a été en somme pour moi du dedans comme du dehors. C'est une des choses dont je sais gré à mon sort. Pour l'état de mon corps, chaque étape est venue en son temps. J'en ai vu l'herbe, les fleurs et le fruit. J'en vois maintenant la sécheresse, et c'est heureux puisque c'est naturel. Je supporte bien plus facilement les maux quand ils surviennent en leur temps et qu'ils me font ainsi me souvenir plus agréablement de la longue félicité de ma vie passée. C'est aussi le cas de ma sagesse. Elle peut bien avoir la même taille dans l'une et l'autre des époques de ma vie. Elle n'en était pas moins plus capable autrefois de plus belles actions, plus gracieuses, plus vigoureuses, plus gaies, plus naturelles qu'elle n'est à présent, brisée, ronchonneuse, pénible. Je peux parler de la jeunesse et de la vieillesse. Je connais l'une et l'autre. Mais il me semble que dans la vieillesse, nos âmes sont sujettes à des maladies et des imperfections plus gênantes que dans la jeunesse. Je le disais déjà quand j'étais jeune, et alors on se moquait de moi parce que je n'avais pas de poils au menton. Je le dis encore maintenant que mon poil gris m'y autorise. Nous appelons sagesse le fait que nos caractères soient difficiles. Le dégoût envers les choses présentes. Mais en vérité, nous abandonnons moins nos vices que nous ne les changeons, et selon moi, en pire. Outre une sotte et stérile fierté, un bavardage ennuyeux, ces caractères acariâtres et peu sociables, la superstition et un goût ridicule pour les richesses, alors qu'on en a perdu l'usage, je trouve dans la vieillesse plus d'envie, d'injustice et de méchanceté. Elle nous met plus de rides à l'esprit que sur le visage. Et l'on ne voit pas d'âme, ou fort rare, qui en vieillissant ne sente l'aigre et le moisi. C'est l'homme tout entier qui se développe et puis se rabougrit. Connaissant la sagesse de Socrate et plusieurs circonstances de sa condamnation, je me demande s'il ne s'y est pas prêté lui-même à dessein et par connivence, car il approchait des 70 ans et devait commencer à sentir l'engourdissement s'emparer des riches ressources de son esprit et l'éblouissement supplanter sa clarté habituelle. Quelle métamorphose vois-je s'opérer chez nombre de mes connaissances du fait de la vieillesse?
C'est une redoutable maladie qui se répand en nous, naturellement et imperceptiblement. Il faut prendre de grandes précautions et faire de constants efforts pour se prémunir contre les imperfections dont elle nous accable, ou au moins en atténuer le progrès. Je sens bien que, malgré tous les retranchements que je lui oppose, elle gagne peu à peu sur moi. Je résiste tant que je le puis, mais je ne sais où elle me conduira finalement. Du moins, serais-je heureux que l'on sache d'où je serais tombé. Samuel Beckett, fin de partie. Le couvercle d'une des poubelles se soulève et les mains de Nag apparaissent, accrochées au rebord. Puis la tête émerge, coiffée d'un bonnet de nuit, teint très blanc. Nag frappe sur le couvercle de l'autre poubelle. Un temps. Il frappe plus fort. Le couvercle se soulève, les mains de Nell apparaissent, accrochées au rebord, puis la tête émerge. Bonnet de dentelle, teint très blanc. Qu'est-ce que c'est, mon gros ? C'est pour la bagatelle ? Tu dormais ? Oh non. Embrasse. On ne peut pas. Essayons. Les têtes avancent péniblement l'une vers l'autre, n'arrivent pas à se toucher, s'écartent. Pourquoi cette comédie tous les jours ? J'ai perdu ma dent. Quand cela ? Je l'avais hier. Ah ! Hier ! Ils se tournent péniblement l'un vers l'autre. Tu me vois ? Mal. Et toi ? Quoi ? Tu me vois ? Mal. Tant mieux, tant mieux. Ne dis pas ça. Notre vue a baissé. Oui. Ils se détournent l'un de l'autre. Tu m'entends ? Oui. Et toi ? Oui. Notre oui n'a pas baissé. Notre quoi ? Notre oui. Non ! As-tu autre chose à me dire ? Tu te rappelles ? Non. L'accident de tandem où nous laissâmes nos guiboles ? C'était dans les Ardennes. Mais à la sortie de Sedan. Tu as froid ? Oui. Très froid. Et toi ? Je gèle. Tu veux rentrer ? Oui. Alors rentre. Pourquoi tu rentres pas ? Je ne sais pas. André Gors, lettre à D. Tu viens juste d'avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombé amoureux de toi une nouvelle fois et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. La nuit,
Je vois parfois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. J'entends la voix de Catherine Ferrier qui chante. Die Welt ist leer, ich will nicht leben mehr. Et je me réveille. Je guette ton souffle, ma main t'effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. Simone de Beauvoir, La force des choses. Vieillir, c'est se définir et se réduire. Je me suis débattue contre les étiquettes, mais je n'ai pas pu empêcher les années de m'emprisonner. J'habiterai longtemps ce décor où ma vie s'est déposée. Je resterai fidèle aux amitiés anciennes. Le stock de mes souvenirs, même s'il s'enrichit un peu, demeurera. J'ai écrit certains livres, pas d'autres. Quelque chose à ce propos me déconcerte. J'ai vécu tendu vers l'avenir et maintenant, je me récapitule au passé. On dirait que le présent a été escamoté. J'ai pensé pendant des années que mon œuvre était devant moi et voilà qu'elle est derrière. À aucun moment, elle n'a eu lieu. Ça ressemble à ce qu'on appelle en mathématiques une coupure, ce nombre qui n'a pas de place dans aucune des deux séries qu'il sépare. L'écrivain a tout de même la chance d'échapper à la pétrification dans les instants où il écrit. À chaque nouveau livre, je débute. Je doute, je me décourage. Le travail des années passées est aboli. Mes brouillons sont si informes qu'il me semble impossible de poursuivre l'entreprise jusqu'au moment, insaisissable, là aussi il y a coupure, où il est devenu impossible de ne pas l'achever. Toute page, toute phrase exige une invention fraîche, une décision sans précédent. La création est aventure, elle est jeunesse et liberté. Mais aussitôt quitté ma table de travail, le temps écoulé se rassemble derrière moi. J'ai d'autres choses à penser. Brusquement, je me cogne à mon âge. Cette femme ultra-mûre est ma contemporaine. Je reconnais ce visage de jeune fille attardée sur une vieille peau. Ce monsieur chenu qui ressemble à un de mes grands-oncles me dit en souriant que nous avons joué ensemble au Luxembourg. « Vous me rappelez ma mère », me dit une femme d'une trentaine d'années. À tous les tournants, la vérité me saute dessus et je comprends mal par quelle ruse. C'est du dehors qu'elle m'atteint, alors qu'elle m'habite. La vieillesse, de loin, on la prend pour une institution. Mais ce sont des gens jeunes qui soudain se trouvent être vieux. Un jour, je me suis dit, j'ai 40 ans. Quand je me suis réveillée de cet étonnement, j'en avais 50. La stupeur qui me saisit alors ne s'est pas dissipée. Je n'arrive pas à y croire. Quand je lis imprimé Simone de Beauvoir, on me parle d'une jeune femme qui est moi. Souvent, quand je dors, je rêve que j'ai en rêve 54 ans, que j'ouvre les yeux et que j'en ai 30. Quel affreux cauchemar j'ai fait, se dit la jeune femme faussement réveillée. Parfois aussi, avant que je revienne au monde, une bête géante s'assied sur ma poitrine. C'est vrai, c'est le cauchemar d'avoir plus de 50 ans qui est vrai.
Comment ce qui n'a ni forme, ni substance, le temps, peut-il m'écraser d'un poids si lourd que je cesse de respirer? Comment ce qui n'existe pas, l'avenir, peut-il si implacablement se calculer? Mon 72e anniversaire est aussi proche que le jour si proche de la libération. Pour m'en convaincre, je n'ai qu'à me planter devant la glace. À 40 ans, un jour, j'ai pensé. Au fond du miroir, la vieillesse guette. Et c'est fatal. Elle m'aura. Elle m'a. Souvent, je m'arrête, éberluée devant cette chose incroyable qui me sert de visage. Je comprends la Castiglione qui avait brisé tous les miroirs. Il me semblait que je me souciais peu de mon apparence. Ainsi, les gens qui mangent à leur faim et qui se portent bien oublient leur estomac. Tant que j'ai pu regarder ma figure sans déplaisir, je l'oubliais, elle allait de soi. Rien ne va plus. Je déteste mon image. Au-dessus des yeux, la casquette, les poches, en dessous, la face trop pleine et cet air de tristesse autour de la bouche que donnent les rides. Peut-être les gens qui me croisent voient-ils simplement une quinquagénaire qui n'est ni bien ni mal, elle a l'âge qu'elle a. Mais moi, je vois mon ancienne tête où une vérole s'est mise dont je ne guérirai pas. Elle m'affecte aussi le cœur. J'ai perdu ce pouvoir que j'avais de séparer les ténèbres de la lumière, me ménageant au prix de quelques tornades des ciels radieux. Mes révoltes sont découragées par l'imminence de ma fin et la fatalité des dégradations. Mais aussi mes bonheurs ont pâli. La mort n'est plus dans les lointains une aventure brutale. Elle hante mon sommeil. Éveillée, je sens son ombre entre le monde et moi. Elle a déjà commencé. Voilà ce que je ne prévoyais pas. Ça commence tôt et ça ronge. Peut-être s'achèvera-t-elle sans beaucoup de douleur, toute chose m'ayant quittée, si bien que cette présence à laquelle je ne voulais pas renoncer, la mienne, ne sera plus présence à rien, ne sera plus rien et se laissera balayer avec indifférence. L'un après l'autre, ils sont grignotés, ils craquent, ils vont craquer les liens qui me retenaient à la terre. Oui, le moment est arrivé de dire « jamais plus ». Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisé de fatigue dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Maintenant, autant que mon corps, mon imagination en a pris son parti. Malgré tout, c'est étrange de n'être plus un corps. Il y a des moments où cette bizarrerie, par son caractère définitif, me glace le sang. Ce qui me navre bien plus que ces privations, c'est de ne plus rencontrer en moi de désirs neufs. Ils se flétrissent avant de naître dans ce temps rarifié qui est désormais le mien. Jadis, les jours glissaient sans hâte, j'allais plus vite qu'eux, mes projets m'emportaient. Maintenant, les heures trop courtes me mènent à bride abattue vers ma tombe. J'évite de penser, dans 10 ans, dans 1 an. Les souvenirs s'exténuent, les mythes s'écaillent, les projets avortent dans l'œuf. Je suis là. Et les choses sont là. Si ce silence doit durer, qu'il semble long, mon bref avenir. Marcel Proust. Le temps retrouvé. Une jeune femme me dit « Voulez-vous que nous allions dîner tous les deux au restaurant ?» Et comme je répondais « Si vous ne trouvez pas compromettant de venir dîner seul avec un jeune homme », j'entendis que tout le monde autour de moi riait et je m'empressais d'ajouter « Ou plutôt avec un vieil homme ». Je sentais que la phrase qui avait fait rire était de celle qu'aurait pu, en parlant de moi, dire ma mère.
ma mère pour qui j'étais toujours un enfant. Or, je m'apercevais que je me plaçais pour me juger au même point de vue qu'elle. Si j'avais fini par enregistrer comme elle certains changements qui s'étaient faits depuis ma première enfance, c'était tout de même des changements maintenant très anciens. J'en étais resté à celui qui faisait qu'on avait dit un temps, presque en prenant de l'avance sur le fait, « c'est maintenant presque un grand jeune homme ». Je le pensais encore, mais cette fois avec un immense retard. Je ne m'apercevais pas combien j'avais changé. Mais au fait, eux qui venaient de rire aux éclats, à quoi s'en apercevaient-ils ? Je n'avais pas un cheveu gris, ma moustache était noire. J'aurais voulu pouvoir leur demander à quoi se révélait l'évidence de la terrible chose. Et maintenant, je comprenais ce que c'était la vieillesse. La vieillesse qui, de toutes les réalités, est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite, regardant les calendriers, datant nos lettres, voyant se marier nos amis, les enfants de nos amis, sans comprendre, soit par peur, soit par paresse, ce que cela signifie, jusqu'au jour où le petit-fils d'une de nos amies, jeune homme qu'instinctivement nous traiterions en camarade, sourit comme si nous nous moquions de lui, nous qui lui sommes apparus comme un grand-père. Je comprenais ce que signifiaient la mort, l'amour, les joies de l'esprit, l'utilité de la douleur, la vocation. Car si les noms avaient perdu pour moi de leur individualité, les mots me découvraient tout leur sens. La beauté des images est logée à l'arrière des choses, celle des idées à l'avant. De sorte que la première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu'on ne comprend la seconde que quand on les a dépassées. Or, à toutes ces idées, la cruelle découverte que je venais de faire relativement au temps qui s'était écoulé ne pourrait que s'ajouter et me servir en ce qui concernait la matière même de mon livre, puisque j'avais décidé qu'elle ne pouvait être uniquement constituée par les impressions véritablement pleines, celles qui sont en dehors du temps, parmi les vérités avec lesquelles je comptais les sertir, celles qui se rapportent au temps dans lequel baignent et s'altèrent les hommes, les sociétés, les nations, tiendraient une place importante. Je n'aurais pas soin seulement de faire une place à ces altérations que subit l'aspect des êtres et dont j'avais de nouveaux exemples à chaque minute, car tout en songeant à mon œuvre, assez définitivement mise en marche pour ne pas se laisser arrêter par des distractions passagères, je continuais à dire bonjour aux gens que je connaissais et à causer avec eux. Le vieillissement, d'ailleurs, ne se marquait pas pour tous d'une manière analogue. Je vis quelqu'un qui demandait mon nom. On me dit que c'était Monsieur de Cambremer. Et alors, pour me montrer qu'il m'avait reconnu, « Est-ce que vous avez toujours vos étouffements ?» me demanda-t-il. Et sur ma réponse affirmative, « Vous voyez que ça n'empêche pas la longévité, » me dit-il, comme si j'étais décidément centenaire. Je lui parlais, les yeux attachés sur deux ou trois traits que je pouvais faire rentrer par la pensée dans cette synthèse, pour le reste toute différente de mes souvenirs, que j'appelais sa personne. Mais un instant, il tourna à demi la tête. Et alors je vis qu'il était rendu méconnaissable par l'adjonction d'énormes poches rouges aux joues qui l'empêchaient d'ouvrir complètement la bouche et les yeux, si bien que je restais hébété, n'osant regarder cette sorte d'anthrax dont il me semblait plus convenable qu'il me parlât le premier. Mais comme en malade courageux, il n'y faisait pas allusion et riait, j'avais peur d'avoir l'air de manquer de cœur en ne lui demandant pas, de tact en lui demandant ce qu'il avait. Mais ils ne vous viennent pas plus rarement avec l'âge ? Me demanda-t-il en continuant à parler de mes étouffements. Je lui dis que non. Ah, pourtant ma sœur en a sensiblement moins qu'autrefois, me dit-il d'un ton de contradiction, comme si cela ne pouvait pas être autrement pour moi que pour ma sœur, et comme si l'âge était un de ces remèdes dont il n'admettait pas, quand ils avaient fait du bien à Madame de Gaucourt, qu'ils ne me fussent pas salutaires. Madame de Cambremer-Legrandin s'étant approchée, j'avais de plus en plus peur de paraître insensible en ne déplorant pas ce que je remarquais sur la figure de son mari, et je n'osais pas cependant parler de ça le premier. « Vous êtes content de le voir ?» me dit-elle. « Il va bien ?» répliquai-je sur un ton incertain, « mais comme vous voyez. »
elle ne s'était pas aperçue de ce mal qui offusquait ma vue et qui n'était autre qu'un des masques du temps que celui-ci avait appliqué à la figure du marquis, mais peu à peu, et en l'épaississant si progressivement que la marquise n'en avait rien vu. Quand monsieur de Cambremer eut fini ses questions sur mes étouffements, ce fut mon tour de m'informer tout bas auprès de quelqu'un si la mère du marquis vivait encore. Elle vivait. Dans l'appréciation du temps écoulé, il n'y a que le premier pas qui coûte. On éprouve d'abord beaucoup de peine à se figurer que tant de temps est passé et ensuite qu'il n'en est pas passé davantage. On n'avait jamais songé que le XIIIe siècle fût si loin et après, on a peine à croire qu'il puisse subsister encore des églises du XIIIe siècle, lesquelles pourtant sont innombrables en France. En quelques instants, s'était fait en moi ce travail plus lent qui se fait chez ceux qui, ayant eu peine à comprendre qu'une personne qu'ils ont connue jeune ait 60 ans, en ont plus encore, 15 ans après, à apprendre qu'elle vit encore et n'a pas plus de 75 ans. Je demandais à monsieur de Cambremer comment allait sa mère. « Elle est toujours admirable », me dit-il. Usant d'un adjectif qui, par opposition au tribut où on traite sans pitié les parents âgés, s'applique dans certaines familles aux vieillards, chez qui l'usage des facultés les plus matérielles, comme d'entendre, d'aller à pied à la messe et de supporter avec insensibilité les deuils, s'emprunt aux yeux de leurs enfants d'une extraordinaire beauté morale. Jonas Jonasson, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. On se dit qu'il aurait pu se décider avant et qu'il aurait dû au moins avoir le courage de prévenir son entourage de sa décision. Mais Allan Carlson n'avait jamais été du genre à réfléchir longtemps avant d'agir. L'idée avait donc à peine eu le temps de germer dans l'esprit du vieil homme qu'il avait déjà ouvert la fenêtre de sa chambre située au premier étage de la maison de retraite de Malköping dans le Södermanland et qu'il s'était retrouvé debout sur la plate-bande dans le jardin. L'acrobatie l'avait un peu secoué, ce qui n'avait rien de très étonnant vu que ce jour-là, Allan allait avoir 100 ans. La réception organisée pour son centenaire dans le réfectoire de l'établissement commençait dans une heure à peine. L'adjointe au maire lui-même était invité et le journal local avait prévu de couvrir l'événement. Tous les vieux étaient évidemment sur leur 31 ainsi que le personnel au complet. Seul le roi de la fête allait manquer à l'appel. Allan Carlson resta un petit moment indécis, planté au milieu de la plate-bande de pensées qui couraient tout le long de la maison de retraite. Il portait une veste marron et un pantalon assorti. Au pied, il avait une paire de charentaises de la même couleur. C'était loin d'être un parangon d'élégance, mais qui peut prétendre qu'il le sera encore à 100 ans? Il fuyait sa propre fête d'anniversaire, et c'est aussi une chose qu'on fait rarement à cet âge-là, principalement parce qu'il n'est pas fréquent d'arriver jusque-là. Allan hésita à refaire l'escalade dans le sens inverse pour récupérer ses chaussures dans sa chambre, mais en sentant la protubérance que faisait son portefeuille dans la poche de poitrine de sa veste, il se dit que cela irait bien comme ça. En outre, Sœur Alice avait maintes fois prouvé qu'elle disposait d'un sixième sens. Chaque fois qu'il planquait une bouteille d'alcool quelque part, elle la trouvait. Et la connaissant, elle était sûrement déjà en train de tourner et de virer là-dedans avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Il valait mieux continuer sur sa lancée. Ses genoux émirent un craquement lugubre quand il sortit du parterre de fleurs. Autant qu'il se souvienne, le portefeuille contenait quelques billets de 100 couronnes. Il se demanda si ce serait suffisant pour un homme en cavale. Il tourna la tête, jeta un dernier regard à la maison de retraite dont il pensait, il n'y a pas si longtemps encore, qu'elle serait sa dernière demeure sur terre. Tant pis, il pourrait toujours mourir ailleurs, plus tard. Le centenaire se mit en route, traversa d'abord un parc puis une grande place où se tenait de temps à autre une foire dans cette ville qui le reste du temps était fort calme. Au bout de quelques centaines de mètres, Allan s'assit sur une tombe derrière l'église médiévale qui était la grande fierté de la région. Il avait besoin de reposer ses genoux. Les gens du coin n'étaient pas des chrétiens très fervents et il pouvait raisonnablement espérer avoir un moment de tranquillité à cet endroit. Il constata, amusé, qu'il était contemporain d'un certain Henning Angelston, actuellement couché sous la pierre sur laquelle Allan s'était assis.
Henning, lui, avait rendu l'âme quelque 61 ans auparavant. Si cela avait été son genre, Alan se serait peut-être demandé de quoi Henning était mort à l'âge de 39 ans seulement. Mais Alan n'avait pas pour habitude de se mêler des affaires d'autrui s'il pouvait l'éviter. La plupart du temps, il y était parvenu. Il se dit qu'il avait eu bien tort de penser à mourir quand il était à la maison de retraite. Parce que, même perclus de rhumatisme, c'était beaucoup plus rigolo d'être en cavale, loin de Sœur Alice, que couché, immobile, 6 pieds sous terre. Sur cette belle pensée, notre héros se leva, faisant fi de ses genoux douloureux. Il salua Henning Anglestone et poursuivit sa fuite improvisée. Pages arrachées à la vieillesse. Lu par Nathalie Richard et Nicolas Bouchot. Enregistré le 6 février 2021 en direct du Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Choix des textes, Pauline Timonier. Équipe technique, Pierre Henry, Stéphane Foulon, Michel Gassic et Alexandre James. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Christophe Hockey.